problème. Voilà. Maintenant, on est au centre, au cœur de l'ouvrage. Oui. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes partis d'une hypothèse. La Première République, elle a échoué. Son Parlement a échoué. Non, la Première République, c'est un échec. Alors, la question qui nous a guidés sous cette recherche, c'était pourquoi elle a échoué. Alors, notre hypothèse a situé l'échec au sein de la vie parlementaire. Et donc, il fallait analyser maintenant l'activité parlementaire réelle. Vous savez, dans le chapitre antérieur, nous avons fait une description tout à fait juridico-légale en analysant le régime intérieur du Parlement. Le fonctionnement, les comités, les commissions, tout ça. La commission, là, il n'y a pas d'analyse politique comme telle. Mais dans ce chapitre, nous analysons en profondeur quelle était l'activité parlementaire réelle. Et surtout, nous nous sommes basés sur la relation entre le Parlement et le gouvernement. Comment s'articulait cette relation? Quel était le positionnement du gouvernement par rapport au Parlement et quel était le positionnement du Parlement par rapport au gouvernement? Et comment il y a eu cette interaction politique qui a abouti justement à l'échec que le régime Mobutu a pu récupérer à son profit? Alors, quelles sont, à votre humble avis, les causes profondes de cet échec? D'abord, comme je l'ai annoncé au début, oui. Il y avait un mimétisme constitutionnel. La loi fondamentale de la Première République n'était pas adaptée à la réalité, aux mentalités du peuple congolais. Alors, pour ceux qui nous suivent, dans un langage simple, clair, limpide, mimétisme politique, ainsi de suite, vous pouvez expliquer pour ceux qui ne sont pas juristes. Ça veut dire qu'une constitution doit répondre aux besoins réels et à la mentalité, aux aspirations politiques, à la culture et aux traditions d'un peuple. Et donc, nous avons hérité d'une constitution que le peuple congolais n'a pas élaborée. C'était une constitution faite et imposée, même si on parlait de la table ronde. Oui, il y avait combien de constitutionnalistes congolais qui pouvaient participer à l'élaboration de cette loi? Elle était adoptée par le Parlement belge. C'est une loi belge. Et donc, une loi qui ignore les fondements culturels, traditionnels, les aspirations réelles d'un peuple, est vouée à l'échec. C'est le premier versant, oui. Justement, et au ça, niveau des causes de cet échec. On n'a même pas besoin de les démontrer. Vous croyez vraiment que le peuple congolais des années 60 était préparé pour vivre un régime parlementaire dualiste, avec cette complexité des procédures, avec cette complexité des normes? Monsieur Kayamba, c'est extrêmement important. Est-ce que, à ce stade, la dérive parlementaire de 1965 à 1965, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça a encore de l'importance pour les juristes congolais actuellement, pour les régimes en place? Est-ce que la chose n'a pas changé? Il y a eu une grande évolution quand même. Eh bien, quel est le mérite de ce livre? Le mérite de ce livre, c'est de rechercher les origines des tendances autoritaires dans le constitutionnalisme congolais. Pourquoi? Comment est née cette tendance à l'autoritarisme? Quand je parle de l'autoritarisme, je parle déjà du régime de Mobutu, je parle du régime de Kabila, de tous les régimes de transition. Et les séquelles, on les vit aujourd'hui. Ce n'est pas une démocratie tout à fait parfaite. Alors, moi, en tant que chercheur, j'essaie de capter les racines du mal. Mais vous n'êtes pas au pays. Vous suivez les nouvelles du pays ici grâce à nos médias, Télé 50 et d'autres médias sur le net. Évidemment, mais les choses ont beaucoup plus évolué sur le terrain. Nous avons quand même un modèle de jeune démocratie qui tient la route comparativement à d'autres démocraties en Afrique centrale. Au Rwanda, c'est la dictature qui ne dit pas son nom. Tout autour, on a des régimes
où il n'y a même pas liberté d'expression, liberté de presse. Donc les choses ont évolué chez nous. Alors pourquoi faire un tel parallélisme? Donc, dans notre perspective, nous avons d'abord adopté une perspective historique. Comprendre l'évolution des institutions. Comprendre l'évolution des mentalités. Décerner les complexes qu'il y a dans notre vie politique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'amène au Congo les centres congolais d'études constitutionnelles. C'est justement dans ce souci-là de faire un travail académique réel qui puisse aider le peuple congolais à comprendre d'abord ses institutions. Elles fonctionnent, elles ne fonctionnent pas. Que le peuple congolais puisse avoir cette maturité politique pour pouvoir juger les acteurs politiques, faire une sorte de sociogramme de la vie politique congolaise. Alors pour ça, il faut quand même des jeunes chercheurs réunis autour d'un centre de recherche avec des axes de recherche bien clairs pour pouvoir tirer des conclusions convaincantes. Et donc, moi je ne peux pas, à partir de l'extérieur, faire déjà des préjugés, sinon que j'ai fait ce que le scientifique appelle la question principale. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne et ça ne fonctionne pas à partir des éléments à ma possession? Et donc, bientôt je descends au pays, je réunirai un groupe de chercheurs, nous allons faire un travail de fond, nous serons la première unité de recherche et de diffusion en droit constitutionnel congolais, même si moi je commence par une visée tout à fait historique, mais c'est vrai que nous allons étudier les institutions congolaises. Il y aura des jeunes étudiants, des jeunes chercheurs qui vont se consacrer dans l'étude de la vie parlementaire, dans l'étude spécifique de l'exécutif, le pouvoir exécutif, comment il fonctionne, quelles sont les relations entre ces institutions. Et nous croyons que ce serait un grand apport que la diaspora aura apporté. Voilà, ce livre, bientôt, justement sur le marché du livre ici en Europe, et également en Afrique, et particulièrement au Congo démocratique, votre pays, auquel vous restez très attaché. Très attaché, justement, oui. Nous voulons un message en rapport avec ce livre, aux lecteurs, à tous les amis du livre, à tous les amoureux de la lecture, avant de terminer, bien entendu. Moi, je crois que le peuple congolais a un devoir de mémoire. Pour mieux comprendre notre position actuelle et pour avoir une bonne perspective de notre futur, nous devons étudier les institutions passées. Et ça, c'est le travail que nous allons commencer. Déceler les forces, déceler les faiblesses, oui, les vertus et les vices, les échecs, tout comme la réussite. Oui, une sorte d'analyse que les Anglais appellent l'analyse SWOT. Hein? Strength and weakness. Nous devons faire cet effort académique de comprendre nos institutions et de faire des propositions nouvelles. Nous n'allons pas, évidemment, nous sommes des académiques, nous allons nous limiter dans le champ académique, mais la science, sans des propositions réelles, sans des projets concrets, ne sert à rien. Et donc, nous allons être au service des institutions, nous allons faire des propositions pour l'amélioration des institutions du Congo et surtout aussi analyser quelles sont les innovations que la vie publique politique congolaise apporte. Il faut les connaître. Et c'est ça la perspective de travail que je vais amener au Congo. Merci Monsieur Kayamba. Je vous rappelle que vous êtes congolais, professeur d'université ici à Madrid, vous avez défendu une thèse de doctorat dans le domaine qui est le vôtre, le droit constitutionnel, et vous êtes le fils du célèbre professeur Ngoï Ndouba Kamatanda, qu'on appelait le grand maître, les Kassapars le reconnaissent, même à Kinshasa, lors de la conférence nationale souveraine, et puis vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages que nous pourrions découvrir quand vous serez au pays. Ce livre est bientôt sur la net et dans vos kiosques. Excusez-moi, merci de nous avoir suivis. Amoureux de la lecture, amis du livre. Le prochain numéro du livre
du jour. C'est pour bientôt. Au revoir.